c'est donc utiliser les chaises. Alors, commençons avec notre session Lightning Talk du jour 4. Je vais vous expliquer comment ça se passe pour les nouveaux, pour l'audience et pour nos speakers. Donc les speakers, déjà mettez-vous devant pour pouvoir rapidement switcher. Parlez bien dans le micro, ne vous tournez pas, sinon on ne vous entendra pas si vous vous éloignez du micro. Vous pouvez voir les slides sur le moniteur devant vous. Vous n'êtes pas obligé de regarder le projecteur. Restez calme, parlez clairement et assez fort. Terminez à temps, prenez les applaudissements et quittez la scène. Je ne vais pas quitter encore la scène. Je dis la même chose à chaque session, mais bon. Pour l'audience, soyez excellents les uns envers les autres et regardez le timekeeper, la barre sur le côté. On va s'assurer que chaque speaker termine à temps. Donc comment on lit ce timekeeper avec l'appareil sur la scène ou la colonne que vous voyez sur la droite ? You have to talk a bit louder, I think. Maybe you. Hello, good morning, everybody. Bonjour à tous. La plupart d'entre vous devraient savoir comment fonctionne le timekeeper. Donc, tant que la couleur est verte, c'est que vous êtes dans les 4 premières minutes. Vous avez encore beaucoup de temps. Une fois qu'elle passe au jaune, c'est que vous vous approchez de la fin. Ici, quand le jaune se termine, il vous reste 30 secondes et les 30 dernières secondes seront affichées en rouge. Donc on n'a plus de buzzer, donc il faut vraiment... On a besoin de votre aide pour la fin du talk. Une fois qu'il est à 5 secondes, on vous demande de faire un décompte et de l'applaudir. Merci, je pense que ça va marcher. Des traductions sont disponibles également sur c3lingo.org. To see the details how to listen to these translated streams, check out c3lingo.org. And please give a big hand for the translation team again. Okay, that's it. Let's start with the first speaker. Commençons par le premier speaker. Ok. Donc, merci beaucoup pour cette belle introduction. Je m'appelle Karsten et je vais vous parler d'applications web que je suis en train de développer. Le but est de simplifier et de faciliter les discussions digitales. Ma motivation, ça a été qu'il y a vraiment la population mondiale et le développement technologique augmente et le monde est en train de devenir de plus en plus complexe. Donc, on a une nécessité de plus en plus importante d'améliorer la communication et la coordination, ce qui est souvent complexe. On a souvent des quiproquos, de l'émotionnalisation, des feedbacks qui peuvent être mal compris et du coup, ça met la civilisation en danger, à mon avis. Des exemples, au niveau global, on a les politiques climatiques avec différents camps qui n'arrivent même pas à communiquer entre eux alors qu'ils sont dans le même camp. Vous savez peut-être qu'en Allemagne, il y a un débat très émotionnel sur l'utilisation du langage de genre, par exemple, sensibiliser sur les genres, avec un exemple ici. Je vais vous détailler le troisième exemple ici. Donc, avec par exemple, le début des meetings. Donc, on voit tous les emails. Dans le deuxième email, on veut commencer à 7h30, à 19h30.
Et dans quelques emails plus loin, on voit une réponse avec quelqu'un qui ne comprend pas, qui est vraiment énervé par cette discussion et qui veut quitter la discussion et qui dit « réorganisez-le vous-même ». Donc on a vraiment des problèmes de communication. Donc même dans des petits groupes, on a des risques de mauvaise communication. Ma solution, c'est vraiment d'utiliser des meilleurs outils. Donc un mélange entre les forums et la plateforme Stack Overflow que beaucoup d'entre vous connaissent. Je pense que Stack Overflow a beaucoup amélioré la communication, en tout cas dans les questions de programmation ou liées à la programmation. Il y a d'autres choses, mais voilà, je pense vraiment qu'on a besoin d'un outil pour améliorer la communication de tous les jours. Et pour moi, les éléments les plus intéressants, c'est que les contenus sont pas triés chronologiquement, mais par la qualité. On a très peu de redondance et on a un focus sur des sujets particuliers. Donc il y a déjà des exemples existants. Je ne sais pas si vous connaissez Brabble. C'est une plateforme qui utilise la formalisation pour utiliser des pour et des contre, des arguments pour et contre avec des possibilités de notation. Par contre, bon, c'est un peu superficiel et c'est pas open source. Donc, je me suis dit pourquoi ne pas le faire moi-même. Donc, j'ai créé une web app que vous pouvez trouver sous le lien sober-argument avec un s.net. Donc les fonctionnalités, c'est la formalisation. Donc ce qu'on appelle ce que moi j'appelle des breaks, donc des éléments de discussion, des items de discussion. Donc pour moi, c'est vraiment des thèses avec des arguments pour et contre, des questions et des suggestions d'amélioration. Et j'utilise des couleurs pour différencier. Ensuite, on a une dimension de profondeur. On peut utiliser une arborescence d'arguments. Et ensuite, on a un champ spécifique, explicite pour les références, si vous avez vraiment envie d'ajouter des références. C'est entièrement open source. Avec des outils disponibles. Et le seul inconvénient vraiment, c'est que c'est en phase ultra alpha. Et voilà, ce que je veux vraiment, c'est développer un POC, un proof of concept. Pourquoi ça peut être utilisé pour partager des impressions et voir si pouvoir collaborer avec d'autres personnes. Si vous êtes intéressé, venez me voir sur ma plateforme GitHub. Merci. All right. I closed the wrong window. Slides day 4. Connected autonomous mobility. La prochaine conférence sera à propos de la conduite automatique et connectée. So, good morning. Bonjour. Good morning, everybody. Bonjour à tous. Alors, le sujet, c'est rafraîchir nos souvenirs. Alors, qui se rappelle du Homebrew Computer Club? Je ne vois pas beaucoup de mains levées. Le Homebrew Computer Club, ça a commencé en 1970. Et les gens à l'époque ne savaient pas trop beaucoup de choses sur les ordinateurs. Et se rencontrer et parler, discuter, parler des logiciels qu'ils créaient et essayer de pousser les logiciels aux gens qui n'y avaient pas accès. Et donc derrière ce mouvement, ça a commencé par Stuart Brand, qui avait créé un autre mouvement en 1972, et il avait créé une communauté de hackers, et c'est aussi le fondateur d'un catalogue de logiciels. Et sa communauté est toujours active de nos jours. Et l'une des personnes a créé
une voiture qui se conduit automatiquement et qui a créé soi-même. Donc, cette situation est très similaire à l'ère du PC en 1975, et c'est ce qu'on voit de nos jours en 2018. Le but, c'était que ça aille très vite avec une technologie OpenCV. Ça reconnaît directement la route et ça conduit automatiquement et ça essaye d'aller plus vite que n'importe quel humain qui a déjà gagné le record. Donc, vous pouvez aller regarder avec le QR code ici tous les détails et ça va vous expliquer comment créer votre propre voiture qui se conduit toute seule. On n'est pas le seul groupe, il y a aussi nos amis à Détroit Harbor. Et donc, eux, ils sont allés encore plus loin. Ils ont fait une application de robot qui peut se conduire automatiquement dans une petite ferme intérieure et détecter les plantes qui sont en mauvaise santé. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Comment est-ce que moi, je me suis intéressé aux voitures qui se conduisent tout seules? J'ai eu la chance d'être dans l'équipe qui a fini la première voiture qui se conduit toute seule dans l'entreprise Udacity. Et comme vous pouvez voir, c'était ici le premier test de la voiture qui se conduit toute seule. Comme vous pouvez voir, c'était encore plein de bugs. C'était très rigolo à faire. Et il y avait une équipe vraiment cool et on travaillait ensemble super bien. Et vraiment, c'est ça qui m'a fait décider de commencer un meet-up au sujet des voitures qui se connectent tout seul, c'est qui s'appelle Stuttgart. Donc là, par exemple, ces deux projets qu'on a. Donc ici, c'est la détection automatique d'autres voitures et de gens qui marchent dans la rue. Et l'autre, c'est juste un petit robot qu'on peut créer en moins d'une heure et qui va du coup suivre automatiquement un circuit. Donc c'est pas super dur de commencer. On peut commencer tout seul sans problème. En ce moment, on essaye de créer nos propres circuits et d'avoir nos propres voitures. Donc ça, c'est ce qu'on fait à Stuttgart. C'est une voiture faite par Alexander Strudball. Il est très actif dans la communauté. Et l'opportunité dans la communauté, pour vous, si vous voulez, c'est que la technologie est super intéressante. On peut apprendre beaucoup, beaucoup de choses. On peut apprendre des réseaux de neurones entraînés, beaucoup, beaucoup de sujets différents qu'on peut apprendre. Ce qu'on discute ici, c'est qu'on peut détecter directement les chemins et voilà, on peut apprendre beaucoup de choses sur ces sujets et on peut apprendre plein de choses. Donc si vous êtes intéressé, vous devriez nous rejoindre à Connected Autonomous Mobility. Donc si vous êtes aussi au congrès, vous pouvez venir nous voir. On a une équipe qui fait de la recherche. Et il y a autre chose que je voudrais vous dire, c'est que pour l'instant, je n'ai parlé que d'une seule voiture d'un seul robot. Et en fait, imaginez, ici, on parle de connexion. Donc imaginez si on pouvait avoir juste un PC et avec le réseau, on pourrait connecter plein de robots ensemble et vraiment les connecter. Et ça pourrait vraiment aider les gens. Donc imaginez ça, ce serait vraiment bien. Si vous êtes intéressé, vous devriez nous rejoindre et continuer à vous amuser au congrès. Merci. La prochaine présentation, c'est la sécurité des contrats intelligents, des smart contracts. Bonjour, merci pour l'opportunité. Je vais parler rapidement de la sécurité des smart contracts, en particulier Ethereum. Donc étant donné qu'il n'y a pas tout le monde qui sait ce que c'est un smart contract. Donc un smart contract, c'est un programme très simple qui tourne sur la blockchain. Donc la blockchain la plus utilisée, c'est Ethereum. Et pourquoi est-ce que la sécurité des smart contracts, c'est différent de la sécurité web, par exemple? Qu'est-ce qui est particulier par rapport à ça? Donc ce qui est spécial, c'est que le code est public. Le contrat est public et n'importe qui peut interagir avec ce contrat. Donc il y a beaucoup de transparence, ça c'est bien. Mais ça veut dire aussi que la sécurité est plus difficile à mettre en place parce que c'est très facile pour l'attaquant.
Et en plus, ça peut gérer pas mal de fonds. Et donc, si vous avez des bugs, vous pouvez facilement en tirer profit financier. Donc, il y a eu beaucoup de gros hacks. Ces chiffres étaient encore plus gros, mais ça a baissé un peu. Les nombres sont un peu moins impressionnants qu'avant. Mais on peut toujours se faire de l'argent si on sait comment hacker des smart contracts. Donc ce qu'on a fait à l'ETH Zurich, en collaboration avec Chain Security, on a mis en place ce système qui s'appelle Securify. Et pour commencer, je vais vous donner une simple intuition de ce que c'est. Donc déjà, ça fait des vérifications simples, comme quand votre généraliste vient avec son stéthoscope. Et donc, si vous n'êtes pas dans la sécurité, vous avez peut-être quand même connu Metasploit. Donc, c'est un peu un Metasploit pour les smart contracts. Ça fait des vérifications simples et basiques. Et pour les gens qui s'y connaissent un peu mieux, donc une explication un peu plus complexe, c'est qu'on fabrique un graphe de dépendance des instructions et des variables, et comment les variables dépendent les unes des autres, etc. Et on reconnaît un certain nombre de motifs en fait de sécurité qu'on va voir plus tard. Et pour chacun de ces motifs, on vérifie leur compatibilité et leur sûreté. Et la plupart du temps, c'est possible qu'on trouve rien. Mais qu'est-ce que c'est ces modèles? Donc par exemple la réentrance. Vous savez peut-être ce que c'est parce que c'est ce qui a causé un bug assez connu. Et un autre, c'est le problème de l'autorisation manquante. Donc par défaut, il y a n'importe qui est à peu près le même du point de vue du smart contract. Donc il faut ajouter un système d'authentification pour avoir des utilisateurs spéciaux. Donc je vous invite à essayer par vous-même. Donc vous mettez votre code et puis vous cliquez sur scan now, donc scanner maintenant. Donc vous pouvez le voir sur securify.ch, et comme je l'ai dit, c'est gratuit, c'est libre, c'est une analyse en un clic. Vous pouvez coller votre code, vous pouvez cloner un dépôt Git. C'est expérimental pour l'instant. Si vous voyez des problèmes, n'hésitez pas, on est très content de votre retour. Et si vous voulez savoir un peu ce qui se passe derrière le rideau, n'hésitez pas à aller lire l'article académique qui a été publié et qui vous permettra de savoir un peu beaucoup plus de ce qui est fait là. C'est open source, donc vous pouvez aller regarder sur GitHub ce que c'est. Vous pouvez proposer des nouvelles fonctionnalités. On est très content si vous donnez des suggestions. On est aussi très content si vous nous montrez des bugs. Et on voudrait prendre l'opportunité de remercier la fondation Ethereum qui rend ça possible. Enfin, on a un Discord où vous pouvez nous contacter. Et on a un Twitter. Et on aura d'autres fonctionnalités qui vont arriver. Et si vous gérez plein de contrats, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a peut-être moyen de faire mieux. Merci. Alors, le prochain sera comment trouver des contributeurs à vos projets open source grâce aux communautés d'apprentissage en ligne. Bonjour tout le monde, moi c'est Robert, je suis un développeur de logiciels et j'adore créer des logiciels libres et ouverts. Et donc, j'aimerais vous présenter aujourd'hui comment est-ce que vous aussi, vous pouvez trouver des contributeurs à vos propres projets open source. Donc ça, c'est pas les bons slides. Je vais essayer de voir si je peux récupérer les bons slides. I'm also sorry. Maybe I downloaded the wrong. While we download this, please could you keep a bit closer to the podium, because when your hands leave the podium, the microphone virtually will switch off.
All right. Yes, that's it. Okay. Voilà, c'est les bons slides. Alors, on va dire que vous venez juste de commencer votre projet open source, et en général, ça ressemble à ça. Vous êtes un hacker tout seul, dans votre maison, vous avez plein de temps dessus, mais vous êtes tout seul. Et donc ça, c'est un peu un problème, parce que bah, ça ne peut pas continuer comme ça pour longtemps. Ça ne peut pas continuer à marcher si vous êtes tout seul. Et donc, ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez rejoindre une communauté de gens qui ont envie d'apprendre la programmation comme vous. Et donc, ça s'appelle Agile Ventures, Agile Ventures. Et donc, il y en a d'autres qui sont similaires, mais moi, je vais vous parler de celle-là. Donc, comment ça marche? Voilà, par exemple, on fait des réunions souvent et on peut discuter et on peut travailler ensemble avec le partage d'écran et on peut faire du pair programming. On peut s'apprendre entre nous comment programmer. On peut aussi apprendre répondre à des questions et on peut les aider en fait à rejoindre le plus facilement possible. Ensuite, quelque chose d'autre que vous pouvez faire, c'est, moi je pense, la première chose à faire, c'est de faire un chat de groupe. Donc nous, on utilise Slack, mais après, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. Mais c'est assez sympa parce qu'on peut avoir... Là, pour l'instant, on a 300 membres et puis on attend toujours qu'il y ait d'autres gens. Donc si vous êtes intéressé à rejoindre, il y a le QR code juste ici qui va vous amener à notre Slack. Juste après que vous ayez fait ça, ce serait bien de faire des réunions toutes les semaines. Nous, par exemple, on fait ça le mercredi à 7h du soir, heure d'Europe. Et nous, c'est parfait pour nous parce qu'on a aussi les gens en Afrique et au nord et au sud de l'Amérique. Mais pour eux, c'est un petit peu tôt le matin. Donc ceux qui bossent, c'est pas forcément pratique pour eux. Pour l'Asie, l'Australie, c'est pas génial parce que c'est la nuit. Donc on n'a pas de gens comme ça. Mais voilà, il faut prendre ça en considération quand vous faites votre réunion. Et la troisième chose à prendre en compte, c'est de ne pas faire de code qui ne va que d'un sens. Donc, si vous utilisez des frameworks populaires et des technologies populaires, ça va sûrement être la raison pour laquelle les gens vont vouloir rejoindre. Donc, c'est important de faire ça. Et ensuite, en quatrième, je dirais, c'est important de prendre en compte aussi les contributions qui ne sont pas forcément du code. Comme vous pouvez le voir ici sur le graphe, on peut voir le nombre de contributeurs. Et plus vous avez de contributeurs, plus vous allez avoir de contributions qui ne sont pas forcément du code. Et donc, vous pouvez voir ici que le ratio n'est pas que du code. Et ça, en fait, c'est bien parce que plus il y a de gens, plus il va y avoir de gens qui vont commenter, parler à rajouter des issues sur GitHub. C'est des choses que vous n'aurez pas forcément si vous aviez que des codeurs. Donc, vous devez toujours être reconnaissant des gens qui vous aident et que même si c'est pas que du code. Donc ça, c'est mon dernier slide. Je dis partager l'amour. Et donc si vous avez un diplôme en computer science, c'est pas tout le monde qui peut avoir cette chance comme vous avez eu. Donc si vous rejoignez des communautés en ligne où les gens n'ont pas accès à ça, et la seule chose qu'ils ont, c'est des communautés en ligne pour apprendre. Et donc, prenez ça en compte et aidez-les, ces gens-là. Donc, si vous voulez, moi, j'ai aussi une chaîne YouTube et j'ai aussi toutes mes leçons où j'explique des choses. Donc, si ça vous intéresse, allez voir mon channel YouTube. Merci. So now, next up is Santa's elf fingerprinting. Donc, maintenant, je vais vous parler des empreintes ELF, donc du Père Noël. Bonjour. Vu que Noël, c'était pas très il y a très longtemps, je vais vous parler un peu d'elfes. Donc, moi, je suis Gilly, je suis un chercheur en sécurité et je suis cofondateur de Kernel TLV en Israël. Et donc, on s'occupe de choses qui ont trait au noyau Linux de façon assez profonde. Et si quelqu'un est intéressé, après le congrès, on peut faire un D&D. Donc, vous savez ce que c'est un elf. Donc, ce sont les exécutables qu'on utilise dans Linux et dans beaucoup d'autres Unix-like plateformes.
Et donc il y a pas mal de documentation que vous trouvez ici, par exemple. Mais pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on fasse des dissections en fait de ces ELF? Donc quand je reçois un ELF, je veux voir ce qu'il y a dedans, parce que quand je veux l'attaquer, je veux savoir ce à quoi je fais face. Donc qu'est-ce que je fais en fait quand je cherche les vulnérabilités? Donc ça permet de voir de connaître en fait la surface d'attaque et de savoir ce que l'exécutable fait. Donc on a construit pour ça InspectElf, c'est open source, c'est GitHub, je vous donnerai le lien. Et en fait on veut vraiment détecter tout ce qui est lié à la configuration du compilateur sur Linux. Donc vous pouvez avoir tout ce que vous voulez par rapport au code qui dépend de la position, s'il y a des choses sur la pile, si ça a été nettoyé. Vous pouvez mettre en évidence le sanitizer de Google, vous pouvez chercher les dépendances, vous pouvez le trouver là sur GitHub. C'est basé sur de la recherche. Pour inspecter d'autres bibliothèques, vous pouvez trouver aussi des versions entre les bibliothèques. Par exemple, si vous avez une bibliothèque dans une version, vous pouvez trouver des similitudes avec d'autres versions dans le même ELF. Donc il y a une recherche très intéressante pour regarder à quel point des bibliothèques sont similaires. Et tout est compilé vers ce système un peu plus grand qui s'appelle LibSearch. Et n'hésitez pas à me donner ce que vous voulez si vous avez des choses intéressantes. Donc il y a pas mal d'APK et de binaires ici, et on peut regarder, donc on peut faire de la recherche là-dedans. Si vous avez un APK, vous pouvez l'envoyer, vous pouvez chercher les permissions, les bibliothèques, les versions, tout ça, les configurations aussi. Et une fois que vous avez une bibliothèque, vous pouvez chercher ici aussi tout ce qui inclut votre bibliothèque ou votre framework. Et merci beaucoup. Next up is, le prochain, ça va être les claviers alternatifs, donc les claviers physiques et également les claviers logiciels. Alors, bonjour tout le monde, moi c'est Sohart, vous pouvez me trouver sur Twitter et sur mon site, bienvenue sur ma présentation. Alors d'abord un petit peu d'histoire, parce que les claviers n'ont pas toujours ressemblé à ce qu'on a l'habitude. Donc ça par exemple c'est un clavier télégraphe, et donc notre clavier QWERTY date en fait de ces machines à écrire, et ça utilisait en fait des espèces de petits leviers qui imprimaient sur le papier, et ces petits leviers pouvaient rester coincés si on appuyait plusieurs touches en même temps. Et donc c'est pour ça que quand ils ont décidé de l'ordre des touches de QWERTY, ils ont essayé de faire en sorte que ce soit des lettres qui soient le plus loin possible les unes des autres pour qu'on puisse taper plus lentement et que ça se coince pas. Donc en fait QWERTY, ça a été designé pour être le plus inefficient possible. Et donc après, plus tard, on a fait d'autres avancées, comme par exemple sur IBM, ils ont eu cette espèce de boule qui pouvait taper plus vite, et donc il n'y avait plus besoin de petits leviers, et donc ça se coinçait moins. Mais en fait, la disposition des touches est restée comme elle était, parce que les gens étaient habitués. Mais il existe d'autres dispositions de touches qui existent, qui ont été créés par des gens. Donc, par exemple, à l'époque des machines à écrire, ça devient du 19e siècle, et en fait, ils ont quand même regardé, et ça ressemble plus à ce que les gens utilisent de nos jours. Vous connaissez peut-être Dvorak ou Colmac, ou mon préféré, Neo 2, qui est optimisé pour l'allemand, parce que moi, je suis allemand. Et donc, tout ce que ces claviers ont en commun, c'est que les touches les plus utilisées, comme les voyelles et les consonnes, comme
sont placées au milieu et sont faciles à trouver. Et donc ça, c'est directement en dessous des doigts qui sont au repos la plupart du temps. Donc sur celui-là, par exemple, on peut voir que les parenthèses et les parenthèses courbées sont disponibles directement et c'est pratique pour la programmation. Si vous voulez apprendre une nouvelle disposition de touche, je vous propose d'utiliser KTouch, qui est un outil qui est open source et très pratique pour apprendre. Mais il n'y a pas que l'arrangement des touches sur le clavier, mais aussi les claviers physiques. Donc, par exemple, voilà des claviers qui sont propriétaires. Et tout ce qu'ils ont en commun, plus ou moins, c'est qu'ils ont des métriques. Ils sont symétriques, pardon. Donc, oui, parce que vos mains sont symétriques. Et donc, il y en a qui sont droits et il y en a qui sont courbés parce que c'est comme ça que sont vos doigts. Donc tout cela sont des claviers propriétaires, donc vous pouvez juste les acheter, mais c'est pas open source. Ceux-là par contre sont open source. Les deux d'en haut ont le hardware et le software complètement ouverts et libres. Et par contre les deux d'en dessous, il faut les acheter. Mais c'est facile de changer le firmware et on peut tout changer, c'est très facile. J'en ai un, moi, sur moi, donc si vous avez envie de l'essayer, n'hésitez pas à venir me voir au congrès. Il y a encore d'autres choses un peu folles, comme par exemple des claviers à cordes où on doit presser des touches, plusieurs touches en même temps pour faire une seule touche. Ou par exemple, il y en a des claviers tactiles sur les écrans tactiles. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le Desk Authority et Geek Hack qui ont plein d'informations sur le sujet et aussi le Bill Buxton Collection qui est une collection complètement énorme et super intéressante. Et donc vous pouvez trouver mes slides en ligne et tous les liens peuvent être cliqués. Si vous voulez me trouver, je suis vers l'Assemblée Bill Buxton, donc n'hésitez pas à venir me voir. Merci. Now to escape from my browser again. All right, next up is donc, RefFS. Le prochain TOC, RefFS, le SSH inversé, le file system SSH inversé. Bonjour. Si vous êtes comme moi, vous travaillez probablement sur un portable, comme la plupart des gens qui se déplacent. Et il faut que je le prenne avec moi. Et donc, j'ai ce problème. Il faut que je maintienne ce que j'ai. Vous prenez toutes vos données avec vous et ce serait bien de tout avoir offline pour si jamais vous passez dans un tunnel, par exemple. Donc, le projet que j'avais, j'ai commencé au CCC, puisque... c'est là où on a le plus de personnes et le plus de choses intéressantes. Donc, je voulais pas avoir un serveur SSH qui tournait sur mon poste et qui aurait des problèmes à passer les pare-feux. Je voulais avoir un dossier qui pouvait créer une session interactive ou de multiples sessions sur des réseaux VPN, etc. Donc, comme toujours, quand on est sous pression, on commence à développer et on se dit « Ah tiens, j'ai libssh2, j'ai la ligne de commande SSH, système SSH CLI. » Et on commence à créer des binaires. Et on... exporte sur des fichiers locaux. Ouais, vas-y. En fait, pour atteindre d'autres objectifs, il faudrait redesigner. On parle aux gens et on leur dit hey, je me suis loupé, qu'est-ce que vous feriez, vous ? Et donc, par exemple, on peut vouloir avoir un cache disque pour quand on n'a pas beaucoup de RAM, mais on veut pas que les données doivent faire les allers-retours tout le temps. Donc on a fait un nouveau design. Donc déjà on a choisi d'utiliser Rust et pas un langage de script. On a séparé le processus en deux binaires, donc l'exporteur
donc le programme que vous utilisez pour initialiser le point de montage, et le mounter qui est celui qui est utilisé sur le serveur distant et qui est lancé, et de préférence une seule fois. Ensuite le mode interactif, donc c'est quelque chose que certaines personnes aiment et d'autres détestent. Et l'idée, c'est d'utiliser Fuse sur le serveur distant pour exporter le système de fichiers. Et on peut l'utiliser, on essaie de l'utiliser même depuis Linux, enfin pour exporter du Windows depuis Linux. Et donc on n'a pas besoin de se soucier de la plateforme source, parce que le client marche sur toutes les plateformes. Et on a aussi un timeout sur le serveur, par exemple, donc un timeout soft. Donc si la machine distante voit qu'elle a perdu la connexion, elle se dit « Ah tiens, il y a peut-être quelque chose qui s'est mal passé, donc on va tout nettoyer. » Donc voilà le projet. Donc vous pouvez nous rejoindre sur GitLab. Et si vous êtes intéressé pour nous rejoindre, n'hésitez pas. Et vous pouvez m'écrire et me dire « Tiens, moi j'aimerais l'utiliser pour ça, ou j'aurais besoin de cette fonctionnalité. » Et voilà. Ça me motive en fait de voir des gens qui aimeraient bien avoir ce projet et faire des choses avec. Et en particulier, je donne des trucs. Donc c'est une peluche, c'est la mascotte de Rust. Si quelqu'un la veut, levez la main et je vais le lancer dans votre direction. On va voir. Hop. Oh, désolé. Battez-vous. Non, pas vraiment. Merci. Then next up is Radentscheid Darmstadt. Le prochain, c'est sur les pistes cyclables à Darmstadt. Donc les quatre prochaines sessions sont en allemand, donc connectez-vous à c3lingo.org pour regarder les traductions si ça vous intéresse. L'année dernière, j'étais ici et le congrès avait comme slogan « Tout vat », donc faites quelque chose. Du coup, je l'ai pris au mot et j'ai commencé à faire quelque chose. Je viens de Darmstadt et on a le problème, comme dans beaucoup de villes, que c'est vraiment dangereux de rouler en vélo. Et c'est vraiment le seul moyen de transport qui est vraiment mortel. Il y a eu 4 morts dans les 12 derniers mois. C'est vraiment le seul moyen de transport qui a été mortel. Donc on a protesté, on a dit qu'on voulait plus que les gens qui veulent aller de A à B en vélo se mettaient en danger de mort. Donc on s'est décidé vraiment à faire quelque chose. On a décidé 7 objectifs à Darmstadt. On a vraiment regardé aux endroits où c'était vraiment dangereux, dans les rues principales, les croisements, comment est-ce qu'on peut rendre la circulation plus sûre. Vous pouvez trouver toutes les informations ici dans la liste. On a fait des différentes mesures avec des appareils spéciaux pour contrôler les différents endroits. Donc le résultat s'est cristallisé avec le courage. Il faut être persévérant. Il faut être persévérant et vraiment agir de manière sensée et intelligente. Donc on est allé dans la rue, on a montré ce qu'on faisait, on est allé dans la rue, on a fait une journée réservée au vélo pour les familles, pour que les gens puissent se sentir en sécurité et leur montrer qu'ils n'étaient pas tout seuls. On a récolté plus de 11 000 signatures de citoyens. Ici, on voit par rapport à nos signatures par rapport aux autres fractions et par rapport aux autres électeurs. On voit qu'on a juste
un peu moins de signatures que les verts qui sont au gouvernement du Land. Aujourd'hui, l'État a 4 millions d'euros par an et 4 personnes ont été investies, 4 millions par an et 4 personnes qui vont être dédiées à la mobilité en vélo. Ça va leur donner la possibilité sur entre 2019 et 2022 de mettre en place les objectifs que nous nous sommes fixés. La ville dit que nos idées sont pas mal, mais que sont pas acceptable que Hamburg, Köln, München, das sind die fast nicht mehr sichtbaren kleinen Ausschläge. Das waren 3 Euro pro Einwohner und Jahr. Quand on regarde les dépenses dans les villes principales par personne et par année, on voit que à Darmstadt, par exemple, on a des dépenses de 25 euros par habitant et par année pour la circulation en vélo. Donc on est vraiment entre Copenhague et Amsterdam, des villes cyclables bien aménagées, donc ce qui n'est pas acceptable. On voit les différents mouvements qui ont été créés dans différentes villes, donc à Berlin, à Bamberg, à Francfort, Kassel et Stuttgart. On a eu pas mal de gens au congrès qui nous ont parlé de vouloir faire la même chose dans leur ville. Donc si ça vous intéresse aussi, venez nous voir. On veut vraiment que ce soit plus sûr, plus simple, et peut-être que les plus jeunes et les plus âgés pourront aussi utiliser le vélo pour atteindre leur cible, et que ça aidera vraiment toute la société. Merci. Dann podcasterinnen.org. Maintenant, on passe à podcasterinnen.org, donc podcasteuse.org. Bonjour tout le monde. Je voudrais vous montrer donc ce projet podcasterinnen.org que j'ai apporté ici. Et donc, je suis qu'une partie d'un groupe de podcast. Et en fait, ce groupe est encore très, très masculin et on parle que de technique. Donc je me suis demandé comment est-ce qu'on arrive à cette idée. J'ai ici quelques images d'un événement. Donc on voit pas mal de choses. Donc là, il y a 6 hommes qui parlent de podcast. Et donc la plupart du temps, ma réaction, c'était d'être un peu déçu et de me demander pourquoi les femmes n'y sont jamais. Et donc récemment, en fait, ça m'a mis en colère. Et je sais que c'était le 27 mars, parce que le 28 mars, j'ai acheté le domaine podcasterinnen.org. Et je me suis décidé à mettre en ligne ce site. Donc maintenant c'est online, il y a plusieurs groupes qu'on veut contacter. Donc déjà les femmes qui produisent des podcasts et pour faire des communautés. En plus, ça veut rien dire qu'il y ait des profils dessus si personne ne va sur le site. Donc j'espère que les organisateurs de conférences, de workshops viendront sur notre site pour trouver des interlocutrices. Et donc je vais vous montrer là les catégories qu'il y a iTunes. Donc ils ont 67 catégories qu'on a listées. Et Neil Heise a récupéré les listes d'intervenantes sur le réseau. Et donc, on a essayé d'utiliser Faster Text
pour notre groupe. Et sur iTunes, il y a une seule catégorie, dans la catégorie santé, qui s'appelle sexualité. Et tout ce qui a à faire à la sexualité, en fait, doit être là-dedans. On s'est décidé pour 174 tags, et 12 d'entre eux, en fait, parlent de sexualité ou de partenariat, de relations. Chaque personne peut utiliser tous ces tags. Par contre, iTunes a 8 catégories pour les religions. Donc on s'est demandé, c'est très bien que chaque religion ait sa catégorie, mais pourquoi avoir autant de trucs pour la religion et pas pour la sécurité et la sexualité? Et donc nous on a aussi 16 tags de technique. Donc la culture du réseau, la politique du réseau, la programmation, et on espère qu'il y ait aussi beaucoup de femmes qui font des podcasts, qui se retrouvent là-bas, parce que si elles se retrouvent pas là-bas, il faut qu'on se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas des catégories qui manquent? Et donc maintenant on a réfléchi, et je crois qu'on en a 177 tags, et donc il faut que je dise que ce genre de tweet n'arrive plus autant. Ça, c'est un tweet qui dit « On aimerait bien avoir plus de femmes dans le podcast, mais on n'en trouve pas. » Et donc, c'est pour ça qu'on serait content que des femmes s'inscrivent chez nous. Et comme ça, ça nous permettrait de proposer des noms. Merci beaucoup. Dann kommt Open Legal Data. Le prochain talk est sur les données légales ouvertes. Open Legal Data. Okay. Hallo. Bonjour. Je suis Saskia. Je suis créatrice, co-créatrice de l'initiative Open Legal Data. On veut rendre la justice transparente en proposant un accès libre aux données juridiques, aux lois et au procès à Aschaffenburg. On veut vraiment trier les différents textes juridiques, les analyser pour que les gens qui ne sont pas des juristes puissent accéder plus facilement aux différents textes, les journalistes, les... Donc c'est principalement des procès, des textes de procès, bien que les procès sont au nom du peuple, et bien que on dise que ce soit fait au nom du peuple, l'accès est restreint. Donc on a les négociations du tribunal qui sont ouvertes, tout ce qui est accusation qui est ouverte, mais pas les contenus du procès qui ne sont pas publics, qui ne sont pas disponibles. Donc, par exemple, pour un journaliste qui étudie un cas et qui doit faire des recherches, il doit aller voir les porte-parole pour la presse et c'est une source d'information, ou alors attendre patiemment, ce qui lui coûte beaucoup de temps. On a 1,4% des procès qui sont rendus publics en 2017, bien qu'il y ait vraiment une obligation légale de rendre les textes publics. Mais uniquement si, d'après la Constitution, constitutionnellement, le procès doit être rendu public, le juge peut décider de le rendre public ou pas. Mais la publication ne veut pas dire que c'est disponible de manière libre, que tout le monde peut y accéder. Parce que bien sûr, ça voudrait dire des coûts supplémentaires que devraient porter, donc du coup, que doivent aujourd'hui porter les juristes, bien sûr, mais aussi n'importe quelle autre personne. Donc pourquoi l'accès libre à toutes les données légales?
On veut bien sûr plus de transparence dans les discussions légales et les procès. On veut vraiment que les discussions légales soient des documents, des... On veut pas non plus que ça puisse appartenir à des sociétés privées. On veut vraiment que ça reste public et que ça reste dans la sphère publique et accessible à tout le monde. Ce qu'on fait déjà, c'est qu'on collecte déjà tout ce qui est publié pour le rendre public. Et c'est déjà beaucoup de boulot et des coûts également. On recherche vraiment de l'aide de votre part. Si vous avez des documents légaux que vous pouvez nous partager, envoyez-les nous. Vous pouvez surtout nous aider à développer notre plateforme Open Data et contactez-nous. Je vous remercie pour votre attention. Donc maintenant, on parle de surveillance vidéo dans la bergerie. Bonjour. Donc moi, j'ai grandi à la campagne, au milieu de nulle part. Donc il n'y a pas internet rapide, mais depuis le mois d'avril, il y a quelques chèvres. Donc vu que je suis lié à ma patrie. Et là-bas, les week-ends, je me suis dit que j'aimerais bien garder un œil sur ces chèvres. Et donc, je me suis acheté une caméra ici, c'est une des moins chères, mais j'étais étudiant, donc ça m'arrange. Elle ne peut pas faire grand-chose, mais par contre, elle peut se tourner. Et pour ce qui est du réseau, bah, je me suis débrouillé. Donc, je l'ai accroché dans la bergerie. C'est facile parce que... Parce que l'étable est juste à côté de la maison, donc j'ai juste tiré des câbles et il y a tout de suite eu des oiseaux qui se sont perchés dessus, donc ça a donné un peu de vie. Mais je me suis rendu compte que les chèvres les moutons sont pas très souvent dans l'étable, surtout en été. Et j'ai mis en place une antenne. Et donc là, il y a aussi une caméra qui voit dans le pré et dans l'abri. Et donc, je peux surveiller mes chèvres. Et ils m'ont rien dit pour la surveillance des données. Donc, au début, j'ai commencé par mettre la webcam avec une powerbank, mais ça tenait qu'une journée. Donc, maintenant, j'ai mis ça sur un panneau solaire. Donc j'ai trouvé un chargeur, je sais pas à qui il appartient, mais voilà, je l'ai eu. J'ai acheté un chargeur pour 13€. La caméra marchait bien. En hiver, c'était un peu plus compliqué parce que la connexion c'était un peu plus compliqué, mais j'ai trouvé une solution et ça fonctionne effectivement. Et donc j'ai trouvé quelques idées et j'aimerais bien continuer. Donc mes objectifs pour 2019, c'est ça serait bien avoir aussi des possibilités d'utiliser la puissance du vent. Parce que au printemps et en hiver, il n'y a pas forcément assez de luminosité et de température pour que les panneaux solaires soient efficaces. Et donc, je travaille sur une turbine aérienne qui peut être imprimée en 3D. Et donc, je travaille avec quelqu'un avec qui on essaye de faire ça. Et donc, je voudrais aussi pour que en hiver, il n'y ait pas de problème où l'eau gèle. Et donc, je voudrais pouvoir réchauffer cette eau pour pas avoir besoin de m'occuper à chaque fois de ça. Et potentiellement m'adapter à d'autres caméras. Par exemple, il y a pas mal de solutions à base de Raspberry Pi. Et ça, je voudrais essayer, jouer un peu avec. Et si tout ça fonctionne, une fois que tout ça fonctionne... Je voudrais mettre ça aussi comme solution d'endormissement, comme ça, si vous n'arrivez pas à dormir, vous pouvez aller compter les chèvres sur ma webcam. Et donc, j'essaierai de présenter ça au prochain congrès. Si jamais il y a des gens qui veulent venir discuter avec moi, voilà, je suis content de discuter avec vous. Et si vous avez des idées, n'hésitez pas.
Et l'idée, c'est qu'on s'occupe de nos chèvres et qu'on s'amuse bien. Merci. Merci. Donc, le prochain talk est sur les Chaos Bots. Bonjour, je m'appelle Watts, c'est Net Roger. Et on aimerait référer sur les Chaos Bots. Si vous voulez créer une rencontre du chaos ou un groupe autour du CCC, vous ne savez pas trop comment faire, vous ne savez pas trop à qui demander. Vous avez des questions, vous voulez vous informer. Donc c'est pour ça qu'il y a les Chaos Bots. Le bot, c'est pas pour robot, mais pour ambassadeur. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? Où est-ce qu'on nous trouve? Donc, vous avez ce site web ccc.de régional. C'est un site régional qui va lister les localisations et les rencontres, les différentes rencontres. C'est pas mal. Mais il y a encore des espaces très blancs, très vides. Et là, vous pouvez faire quelque chose et nous aider à créer une rencontre, un lieu de rencontre. Vous pouvez voir où est notre prochaine assemblée ou notre prochaine rencontre, dans quel lieu vous pouvez venir et vous pouvez discuter des problèmes, des questions que vous posez, comment on peut trouver du maté pas cher, par exemple. Si c'est trop compliqué pour vous, vous pouvez aussi faire ça. Vous pouvez souscrire à cette mailing list. C'est assez simple. Si vous suivez ces trois règles, vous envoyez un mail à subscribe, vous recevez une réponse et c'est écrit en tout petit que vous devez encore répondre à ce mail. Si vous le faites correctement, vous allez être inscrit sur la liste de distribution. Et ensuite, on peut envoyer un mail à chaostrefs@list.ccc.de en disant « Je suis pas très loin de telle ville. J'aimerais parler avec quelqu'un de créer un CCC. » Quoi d'autre? On a un canal IRC, ça s'appelle Regio Im Hackint. Vous pouvez aussi utiliser votre navigateur pour rejoindre le canal IRC. Donc, on a... si vous voulez devenir ambassadeur du CCC, vous pouvez aussi regarder dans notre wiki. Vous êtes les bienvenus pour venir devenir ambassadeur. On a tout dans notre wiki. Vous pouvez vous rajouter dans la liste. On peut trouver les ambassadeurs existants. Ce qui est vraiment sympa, c'est quand on est déjà établi, qu'on va une fois par mois, par exemple, dans une ville professionnellement. Et on sait, par exemple, qu'il y a une rencontre du CCC ou alors qu'il n'y a rien du tout. On peut essayer de s'impliquer et voir si on peut les intégrer un peu mieux dans le réseau du CCC. Il y a une liste dans le wiki et dans le wiki aussi, c'est doku avec un k.ccc.de/chaosbots. Et vous aurez toutes les informations sur ce qu'on peut faire quand on est ambassadeur et où trouver les contacts. Il faut un mot de passe pour accéder à ce wiki. Le mot de passe, vous pourrez l'obtenir de
des collègues quand vous aurez souscrit à l'ADL. We continue with the next talk. La prochaine présentation sera sur FOSASIA et va parler des 10 dernières années. Yes. Hi, everyone. Bonjour tout le monde. You have the clicker. Yeah. All right, sure, that's thanks. Right. So yes. So. Alors. I'm Witat. I'm from Singapore. Moi c'est Witat. Je viens de Singapour. Donc normalement ça devait être Hong Fook, mais malheureusement elle est pas là, donc je m'occupe de ça à sa place. Alors FOSASIA, ça a été créé en 2009. On a contribué à pas mal de projets open source et plein de choses comme ça. Ça, c'est nos contributeurs. Alors, la communauté est plutôt grosse. C'est une communauté très internationale et c'est basé à Singapour. Et on a aussi des gens en Inde et plein d'autres endroits. Et on collabore aussi avec des makerspace. Donc ça, c'est quelques-uns de nos projets. Donc ça, c'est l'assistant personnel qui s'appelle Suzy. Donc je l'ai dans ma main et je peux vous le montrer. Je vais le passer dans la salle. C'est basé sur Raspberry Pi et c'est un assistant personnel très simple. On a d'autres projets dont je vais parler après. Ça, c'est nos événements. Voilà quelques-uns. Le prochain est l'un des plus gros qui se passe à Singapour, Open Tech Summit. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait parce qu'on veut essayer de partager l'idée de l'open source au reste du monde et spécialement en Asie. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez venir voir et regarder le site et tout ça. Donc en 2009, c'était le premier Meetup Gnome. Alors ça, c'était une des cités au Mekong. En 2010, on a eu notre premier Meetup Debian. Ensuite, en 2011, on a eu un barcamp aussi à Mekong. Donc ça, c'était à Kanto, à Mekong. En 2012, on a créé notre premier hôtel open source. On a tout créé from scratch, tout Internet, tout est complètement fait open source pour avoir Internet. En 2013, on a plus de workshops. On a les journées du hack au Vietnam. Et donc ça, c'est pour apprendre aux gens au Vietnam les idées derrière l'open source et évidemment hacker. En 2014, on a eu notre premier... Ça, c'est un partenariat qu'on a fait avec Jiten, qui est une version asiatique de PS Lab. Donc j'en parlerai à un prochain talk. Ça, donc, c'est au-dessus de notre PS Lab. En 2015, on a bougé notre événement principal du Vietnam à Singapour. Et donc, c'est là où ça va se passer le prochain. Et donc, c'est vraiment l'idée, c'est de réunir toutes les communautés internationales et parler d'open source. Donc, en 2016, on a eu un programme qui s'appelait Code Hit. Et donc, c'était pour que les étudiants internationaux puissent discuter, avoir des mentors sur Internet et des développeurs expérimentés pour les aider et les guider en programmation. On a d'autres événements en Inde. Donc, ça, par exemple, c'est le Hack Day. Donc, on peut voir les gens qui essayent de faire des soudures et de l'électronique. On a aussi des lasers pour couper qui sont open source. Et donc ça, vous pouvez venir nous voir dans le congrès et on va vous montrer comment ça marche. Venez nous voir au congrès. En 2017, on est allé au CCC l'année dernière. Donc on est plutôt actif dans la communauté open source dans le monde entier. Donc Phuket Science Lab, c'est l'un des projets qu'on fait. On l'a développé avec la communauté, donc c'est disponible dans le marché. On l'a fini il y a quelques mois, cette année. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça prend tous les instruments scientifiques qu'on trouve à Science Lab, sur tous les devices, et c'est vraiment très facile. On le met sur son Android, ça marche tout de suite. Et ça marche aussi sur Linux, bien sûr. Ça, c'est quelques événements où on sera, donc on aimerait bien que vous veniez nous voir si vous y êtes. FOSDEM, c'est le prochain qui est en février. Et le prochain sera bien sûr le gros à Singapour, qui est notre gros événement.
Et donc, ça va être notre 10e anniversaire. Et voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. All right, I've seen this somewhere. Go ahead. Ah, okay. Alors, merci à tous. Donc, je suis ici pour vous parler un petit peu plus de PS Lab qu'on a vu juste avant. Donc, moi, c'est Mario. Je passe beaucoup de mon temps en Asie, et donc c'est pour ça que je vais coopérer avec le Pocket Science Lab et la communauté autour du monde. C'est une extension de smartphone open source, et donc on veut que tous les niveaux du smartphone soient complètement open source. Et donc, la open science, c'est bizarre, parce que pour moi, ça devrait toujours être ouvert, la science. Et donc, c'est un hardware, c'est du matériel physique qui est utilisé pour mesurer des choses. Et ça peut être accédé directement avec les smartphones. On peut faire des apps dessus avec Python. On peut connecter avec des câbles standards USB. Et il y a plein de petits pins qui peuvent être connectés pour faire n'importe quel type de mesure de données. Donc voilà une photo, par exemple. Ça, c'est notre app sur smartphone et c'est connecté sur USB. Ça, c'est une version un peu plus vieille, mais on peut voir à gauche comment l'app agit avec l'outil. Donc là, par exemple, c'est un oscilloscope et on voit les sources d'énergie. On peut voir un truc qui regarde les waves. Et ça peut analyser du coup la logique et ça peut accéder toutes les fonctionnalités sensorielles du téléphone. Et donc, si vous voulez avoir plus d'instrumentation ajoutée sur notre hardware, juste parlez-nous et puis on va pouvoir l'ajouter très rapidement. On fait une nouvelle version toutes les deux semaines, donc c'est assez rapide. Il y a beaucoup de développement sur le projet. Ça fait 3 ans qu'on fait ce projet. Et on a différents facteurs. Donc le premier, c'est le Arduino Mega. Donc on voulait que ce soit à peu près de la même taille. Et la nouvelle version marche avec Bluetooth, ISP et plein d'autres choses. Et il y a plein de petites améliorations et plein de petits gadgets qui ont été ajoutés. Et on a aussi ajouté des informations pour les nouveaux qui veulent nous rejoindre, pour que ce soit plus facile. Et plein de petits pins. Donc ça, c'est l'application sur desktop. Donc on peut faire des expériences scientifiques avec. Et dans le futur, on veut continuer à le rendre plus facile à installer parce qu'à l'heure actuelle, il faut utiliser Git pour l'installer. Et ça marche sur Windows, mais à l'heure actuelle, ce n'est pas très, très facile de l'installer. Donc dans le futur, on veut rendre ça un petit peu plus facile. Donc pas beaucoup d'entre nous ont Windows, donc malheureusement, à l'heure actuelle, on n'a pas trop pu s'en occuper. Vous venez d'écouter la présentation de FOSS Asia, et donc on développe ça avec la communauté de FOSS Asia, et on a aussi des développeurs partout en Asie, mais aussi en Allemagne et aux États-Unis. Donc ouais, ça fait pas mal de monde qui viennent du monde entier, et donc ça c'est les mêmes slides, mais on a aussi des partenaires avec plus entreprises, centrées entreprises. Donc ça, c'est une boîte en entreprise qui s'appelle Start Factory. Donc ce n'est pas juste communautaire, c'est aussi, on doit aussi créer le hardware et donc il faut de l'argent, il faut parler aux boîtes qui vont les fabriquer. Et donc vu qu'on a un partenaire avec eux et pas mal de nos membres sont aussi ici, donc c'est beaucoup plus facile pour nous de communiquer avec les entreprises. Donc, on a aussi donc Fraunhofer en Allemagne qui nous aide aussi beaucoup et qui nous aide à faire en sorte que notre hardware dure plus longtemps. Et donc, à l'heure actuelle, on pense que ça pourrait marcher jusqu'à 10 ans, ce qui est pas mal pour l'environnement aussi. Et donc,
à Shenzhen en Chine, des gens de notre groupe faisaient partie du projet, nous ont aidés. Je n'ai pas beaucoup de temps pour raconter les autres slides parce que le temps est court, mais on a plein de choses dont on peut parler. Donc venez nous voir au congrès. On a des mentors dans la communauté qui sont là pour vous aider. Pas mal de grands noms de gens qui sont connus, qui peuvent vous aider, qui sont là. Donc vraiment, venez nous voir. Voilà par exemple une photo de comment on fait pour créer ces choses-là. Et on doit vraiment regarder très très précisément pour être sûr que ça marche bien. Donc voilà, on a appris plein de choses en faisant ça. Et il faut vraiment qu'on partage ces leçons qu'on a apprises. On n'a plus beaucoup de temps, mais voilà. On a une roadmap, on a des choses qu'on veut faire dans le futur. On va faire une application web, on va faire ça dans le futur. On a des workshops, des tutoriels et des choses comme ça. Et donc, s'il vous plaît, venez nous parler et venez collaborer avec nous. Et si vous voulez faire quelque chose, créer votre propre app, venez utiliser notre outil, venez nous voir au congrès et on va travailler ensemble. Merci beaucoup. Donc, le prochain talk est sur l'accessibilité des logiciels. Qu'est-ce qui peut mal tourner? Donc, juste pour vous prévenir, ce sera un talk en allemand. Si vous ne comprenez pas, utilisez la traduction. On veut parler de l'accessibilité des softwares, des logiciels, et ce qui peut vraiment mal tourner. J'utilise beaucoup d'écrans et beaucoup de logiciels différents sur mon smartphone et mon écran. Et j'ai découvert beaucoup d'erreurs, beaucoup de choses qui ont mal tourné. Donc si je devais vous présenter cinq choses qui me gênent, la première c'est la description des images. Donc souvent les images, les photos ne sont pas décrites. Des fois, dans la description, on trouve des informations qui sont vraiment pas intéressantes. Par exemple, des choses qu'on ne voit pas du tout sur ces images. Donc, ce qui serait intéressant, ce serait vraiment de mettre en évidence les éléments qui sont vraiment visibles sur cette photo, cette image. Et comme ça, et les vraiment afficher ces informations-là. Ça nous permettrait d'avancer plus vite. Avancer plus vite, c'est ce qu'on va vous montrer ici dans ce prochain slide. Dans l'interface utilisateur doit être vraiment labellé. Chaque élément doit être labellé de manière vraiment simple pour la navigation. Il faut vraiment qu'on puisse avoir aussi une consistance au niveau des labels. Il y a énormément de boutons qui n'ont rien, aucune information. Ce qui est bien, c'est d'avoir la possibilité de faire un focus et garder les labels d'une manière consistante. Ici, à droite, sur Spiegel Online, on voit que le bouton en forme de hamburger n'est pas forcément compréhensible. Il est encore une fois sans description. Les médias sociaux, il y a souvent la possibilité d'utiliser une description de l'écran, une description de l'image. Ça permet aux gens malvoyants de décrire ce qu'il y a sur l'image que vous voyez ou que vous envoyez. Souvent, cette option est cachée dans des menus d'accessibilité qu'un utilisateur normal aura du mal à trouver parce qu'on pense que c'est des options qui sont inintéressantes pour la plupart des utilisateurs. Dans Twitter, c'est pareil. Récupérer les descriptions des images que vous envoyez est très compliqué à récupérer. Si vous le faites pour votre application, votre propre application, assurez-vous que ce ne soit pas peut-être déjà implémenté dans votre OS et votre système d'exploitation pour éviter d'implémenter ça vous-même. Ce qui arrive aussi assez souvent, on le voit ici au milieu dans Spiegel Online, on voit l'image de l'article, exactement le même texte que le titre.
Donc, par exemple, ce serait bien de retirer la description si c'est la même que l'image. Donc, par exemple, on ne veut pas écouter, entendre la description deux fois. Ça serait bien. Ça serait plus intéressant d'avoir ça dans les descriptions des applications pour éviter que ce soit complètement inutilisable pour nous. C'est intéressant quand on utilise des services de communication aussi, où on peut s'échanger et s'envoyer des informations au sein de la communauté. Ça m'est arrivé personnellement que des communautés dans lesquelles j'étais et j'ai échangé des choses, on se sent un peu isolé parce que on n'est pas vraiment, on ne sait pas vraiment quel genre d'utilisateurs peuvent utiliser cette plateforme. Par exemple, Telegram, qui est très connu un peu partout dans le monde. Assurez-vous que les gens peuvent vraiment l'utiliser. Pas uniquement les gens qui utilisent des écrans, mais les gens qui utilisent des appareils supplémentaires, appareils additionnels. Ce serait bien que ce soit accessible à n'importe qui. Vous pouvez me contacter par mail ou par DECT. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Next up is how to generate insight using text network analysis. La prochaine présentation est comment générer des idées à partir d'analyses de réseaux textuels. Bonjour à tous, moi c'est Dimitri, je viens de Nodus Lab et je vais vous parler de comment générer des idées à partir d'analyses de textes réseau. Donc d'abord je vais parler un petit peu de comment ça marche et ensuite je vais vous montrer qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça. Donc tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui est fait grâce à InfraNodus, qui est une app disponible en ligne et qui est open source. Donc si vous êtes intéressé par le sujet, si vous voulez vous contribuer, dites-le moi, ça m'intéresse. Alors, tout ce que je vais dire aujourd'hui va être visualisé sur un graphe. Je n'ai pas encore trouvé un moyen de le mettre dans le PDF, donc j'ai juste fait des petits slides pour montrer comment ça marcherait naturellement. Donc, chaque petite node est différente et on peut voir la connexion entre les nodes. Quand on voit plusieurs, on peut les ajouter ensemble et on voit des structures plus complètes arriver. Donc, pour la rendre plus lisible, on peut utiliser un type de layout qui va les pousser au loin les unes des autres, mais qui permet de voir mieux comment elles sont connectées. On peut aussi utiliser la communauté pour voir lesquelles sont utilisées et on peut voir directement avec les couleurs les différentes communautés. Donc on peut voir ici qu'il y a des clusters de différents sujets. Donc c'est un peu une version avancée de nuages visuels. Mais grâce à cela, en fait, ceux qui sont avancés, on peut vraiment voir le contexte de ce que c'est. On peut aussi zoomer et regarder les différents sujets. On peut aussi cliquer sur certains nœuds de nodes et on peut voir qu'est-ce que c'est le sujet. On peut voir aussi les sous-titres d'une vidéo. On peut zoomer sur la partie des sous-titres pour ne pas avoir regardé la vidéo. On peut changer de vidéo, passer sur une autre, qui aura du coup une constellation de sujets similaires. Donc c'est très pratique. Je n'ai pas mentionné ça, mais sur le graphe, on peut voir qu'il y en a qui sont plus gros que d'autres. Donc ceux-là, les nœuds qui sont plus gros que les autres. Et donc en fait, on peut voir que le chemin entre les deux, on peut voir que c'est pas... C'est pas toujours mentionné, mais comme c'est plus gros, ça permet de voir lesquels sont plus importants et on peut voir que c'est il y a une discussion et on peut voir en analysant le texte justement que les discussions sont plus importantes. Donc on peut voir grâce à la structure du texte que la discussion ici, on peut voir comment c'est diversifié et on peut voir comment ça dévie les informations des unes des autres. On peut voir qu'à droite, la structure de données est très diverse. Et on peut voir qu'il y a plein de sujets différents qui sont très distincts, mais qui sont quand même connectés les uns avec les autres.
On peut voir que certains mots vont être très différents les uns des autres, mais ils vont être très loin. Mais on peut le voir visuellement grâce à cet outil de graphe. Quelque chose d'autre qu'on peut faire avec cet outil, c'est qu'on peut voir les idées qui sortent du texte. On peut voir que certaines communautés qui ne sont pas forcément liées les unes avec les autres, et on voit qu'il y a une structure, il y a un écart structurel entre les deux, mais on peut voir qu'on peut les mettre ensemble et qu'ils ont des idées similaires et qu'en fait, les idées sont connectées grâce à ces clusters. Et grâce à ça, bah, c'est facile de créer des nouvelles idées. Et donc, en fait, les écarts structurels permettent de créer des nouvelles idées. Donc ça, c'est plus une visualisation abstraite de nos idées. Et j'aime vraiment beaucoup parce que, en fait, quand on pense à quelque chose, en réalité, on crée des espèces de clusters comme ça qui sont connectés entre elles et où les autres peuvent aussi s'y connecter. Donc ça peut être très intéressant de voir comment, quand on discute ou même à quoi ressemblent les pensées visuellement. Donc je vais avoir une autre session aujourd'hui. Donc je me suis trompée, ça va être dans la salle M1, pas comme le slide le dit. Donc si vous voulez discuter avec moi la génération cognitive d'idées et que comment stimuler ces idées, si ça vous intéresse, voilà, merci beaucoup, j'aimerais vraiment beaucoup vous revoir sur mon stand. So it's M1, not M3. Donc ouais, c'est bien M1 et pas M3 comme on a vu. Le prochain talk est sur les hackers contre le changement climatique. C'est parti. Salut. Le changement climatique est réel. Et des fois, quand on communique avec d'autres personnes, il faut vraiment avoir des arguments concrets. Il y a beaucoup de feedback et de loops et d'informations contradictoires. Et si on n'agit pas maintenant, on va créer une vélocité de fuite, un peu comme pour la longévité. Il y a beaucoup d'éléments comme la réflexion des rayons du soleil sur les pôles. Le méthane qui est contenu dans les terres, qui est libéré dans l'atmosphère, l'acidification des océans, on a les feux de forêt qui détruisent les forêts. Ici, c'est la déforestation humaine, donc moins d'eau dans les sols, moins de nourriture peut être produite, puisque les humains coupent les arbres pour créer de la nourriture. Ici, on a quelques exemples, le lac Tchad, la mer d'Aral. 2014 était l'année la plus chaude, 2015 était la plus chaude, 2016 était la plus chaude. Et vous savez quoi ? 2017 n'était pas dans le top 3. 2018 est dans le top 3 des années les plus chaudes. C'est vraiment un désastre de masse. Ce que j'essaye de montrer, c'est que le changement climatique est réel et ça implique vraiment, ça touche tout le monde à travers la planète. Et nous, comme hackers, il faut qu'on collabore avec les politiciens, les preneurs de décisions et il faut vraiment qu'on parle avec des arguments fondés parce que ça touche vraiment personne. Tout le monde, les îles dans le Pacifique, le Bangladesh, qui est vraiment quelques mètres au-dessus du niveau de la mer, les ouragans au-dessus de l'océan Atlantique, c'est purement physique, c'est à cause des chaleurs et des énergies accumulées dans les océans. Et quand on a une différence de pression entre l'air et la mer, c'est des physiques de base qui créent les ouragans. L'Afrique, bien sûr, qui est en dessèchement. Un autre exemple avec les réfugiés syriens qui ont aussi été créés par le réchauffement climatique. Ils ont été obligés d'aller vers les villes où il n'y avait pas assez de travail et qui ont dû quitter leur pays. Donc toute la crise des migrants a aussi été
en partie générée par le réchauffement climatique. Même si vous n'êtes pas vraiment affecté, comme la Suède par exemple, vous êtes au nord et il fait froid, vous êtes quand même affecté indirectement par les vagues de réfugiés. Mais en fait, vous êtes quand même affecté directement dans les pays nordiques à cause de la vague de chaleur qui remonte de plus en plus. Il y a beaucoup de groupes qui s'organisent, comme la rébellion contre l'extinction. On essaye d'influencer des politiciens, mais peut-être qu'on peut devenir politicien nous-mêmes, juste. On peut voter, on peut aller au Parlement européen. Ici, c'est un exemple très notable. La présidente des jeunes pirates d'Europe. Et je pense que les politiciens et les hackers doivent vraiment agir ensemble. Si vous voulez changer, par exemple, tout ce qui est vie privée, gouvernement, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas juste nous-mêmes dans le gouvernement et pousser la vie privée, l'open source, le mouvement les mouvements de logiciels libres? On peut implémenter cette démocratie sur Terre. Aujourd'hui, il y a une session, les hackers contre le changement climatique. On s'est vu le jour 1, le jour 2, le jour 3 et aujourd'hui. Et dans mon pays, si vous dites aux gens de faire quelque chose, ils disent « Oh, c'est trop tard, je peux rien faire pour changer ». Mais tout ça, c'est faux. Ce sont des fausses affirmations. Je vous conseille vraiment d'aller à la session. Les hackers contre le changement climatique, c'est réel et ça touche tout le monde, ça affecte tout le monde. Merci. Next up is le prochain sera really long title. Un très long titre. Open hardware and free software le matériel hardware ouvert et les logiciels libres pour des caméras à longue rangée en 3D et la perception à améliorer des réseaux de neurones. Donc, on dirait que personne n'est là. Donc, si vous voulez, on peut juste... quelqu'un veut venir sur la scène et lire les slides. Donc, bon, on dirait que la présentation ne va pas se faire parce que le présentateur n'est pas là. Donc, on va continuer avec la prochaine présentation, qui est pourquoi est-ce qu'on a besoin de GNU Linux sur les téléphones maintenant plus que jamais. Et donc c'est qu'un seul slide, donc j'espère que vous m'avez envoyé un autre. Alors oui, on va voir. Alors je suis désolée, j'aurais dû regarder, c'est pas très pro, mais bon, il y a toujours un truc qui se passe mal à chaque congrès. Alors laissez-moi regarder. Alors... Maybe I can show it on je big screen. Vais essayer de voir si je peux vous le montrer. Bon, j'ai 5 minutes hein, maintenant, puisque le précédent de présentation a été annulé, mais bon. Alors, si vous voulez, sur c3.de, vous pouvez avoir les talks et le programme de la journée. Il y a aussi d'autres choses, puisque de Lightning Talk. Donc, pour celui-là, on a utilisé celui-là. Alors, non, on ne l'a pas utilisé parce qu'il n'est pas venu. Mais voilà, c'est ici. Donc, si vous voyez sur le système, vous pouvez voir que c'est vraiment beaucoup pour nous. Donc, s'il vous plaît, applaudissez les gens qui ont travaillé sur ça. C'est beaucoup, beaucoup de boulot. Donc, pour celui-là, on appelle ça un single point of failure. Mais bon, allez, ça y est, on l'a. Ok, merci. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin de GNU Linux sur les téléphones et maintenant plus que jamais? Donc ça, c'est le marché du mobile. Donc ça dépend de qui vous demandez, mais bon, c'est à peu près 20% des téléphones qui sont sur iOS et le reste c'est Android. Les autres n'ont pas vraiment un impact significatif. Alors on va pas parler d'iOS, on va juste rester sur Android. Alors on va discuter de pourquoi Android c'est pas une option pour nous. Android c'est fausse, mais non, ça ne l'est pas en fait. Donc la plupart des fonctionnalités principales de Android ont été bougées sur
sur les clouds de Google. Et donc, ça rajoute des problèmes de sécurité. Les Android ont aussi un noyau Linux complètement patché et modifié. Et c'est pas forcément... Même s'il y a des morceaux qui sont open source, mais en fait, ils sont modifiés par Google. Donc, ils sont quand même complètement différents de la source qu'on voit. Le problème aussi, c'est que la plupart des appareils sont complètement bloqués. On peut pas juste rajouter n'importe quoi. Il faut que ce soit complètement changé pour que ça marche sur Android. Et à l'heure actuelle, on n'a pas d'appareil Android qui peut être complètement open source. Il y a quelques fonctionnalités qui ne peuvent pas marcher. Comme par exemple, le Wi-Fi ne peut pas marcher si on n'a pas si c'est tout open source. L'autre problème, c'est bien sûr que c'est Google qui a Android, qui a les droits sur Android. Donc, je ne vais pas être strict, Google n'est pas méchant en lui-même, mais ça reste une entreprise. Et donc, ce qu'on a vu, c'est qu'en 2016, Google crée un nouveau système d'exploitation qui s'appelle Fuchsia. Et c'est potentiellement assez dangereux pour les nouveaux téléphones à l'heure actuelle, vu comment les téléphones sont. Parce que le noyau de ce nouvel système d'exploitation n'a pas complètement un système de permission. Et donc, c'est complètement fermé. Et en fait, il n'y a pas moyen de vérifier s'il y a des changements qui sont faits sur le noyau. À l'heure actuelle, on peut voir très facilement ce qui a été changé sur le noyau sur Android. Donc c'est vraiment bien pour comprendre le système d'exploitation, mais ce ne sera pas le cas sur celui-là, parce que c'est complètement propriétaire. Et donc, qu'est-ce qui va se passer si le noyau est complètement propriétaire? On va avoir des problèmes. Et donc, peut-être que ça vous dit quelque chose. Et oui, c'est exactement ce que iOS est. Donc, Fuchsia, en fait, va plus ou moins transformer Android en iOS. Et ça pourrait être très, très dangereux. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qu'on sait ça? Donc, évidemment, on doit se débarrasser d'Android. On a besoin de le remplacer avec ce qu'on aime et ce qu'on adore sur les desktops. Et c'est évidemment Linux avec les composants de GNU. Donc, regardons quelques projets qui pourraient nous aider sur ce chemin et ces idées qu'on a pour mettre Linux et GNU sur les téléphones. Donc, l'un d'eux, c'est anbox.io qui pourrait nous aider à rajouter ça sur un appareil sans avoir à tout changer. Donc, on a quand même besoin d'installer toutes les applications mais toutes les applications sont open source. Et on a quand même un moyen de récupérer les applications sur Android, donc vous n'avez pas besoin de tout redévelopper. Un autre qui permet d'utiliser les appareils Android avec un système d'exploitation Linux, c'est Allium.org. Donc, ça utilise une abstraction Linux qui tourne avec les périphériques Android. Ce que Android fait, il n'utilise pas une librairie. Et en fait, Allium va directement faire le pont entre ce périphérique et le système d'exploitation. Et en fait, c'est une approche collaborative qui permet de vraiment faire marcher sur les appareils Android. Donc ça, c'est d'autres qui sont en développement à l'heure actuelle. Donc, c'en est deux qui marchent vraiment. Donc, par exemple, UbuntuTouch.io qui marche à l'heure actuelle, Ubuntu. Et donc, il faut aimer souffrir un petit peu parce que c'est un peu difficile, mais c'est possible. C'est pas encore tout à fait prêt, mais je pense que ça arrive. Donc ça, c'est deux hardware qui sont disponibles. Donc Purism, qui est une boîte qui veut faire un téléphone complètement open source au niveau hardware, et Pine64, qui est du coup un peu comme Raspberry Pi, et qui va permettre de faire ces fonctionnalités qu'on cherche. Donc ça, c'est d'autres URL qui pourraient vous intéresser. Et donc, je vous propose d'aller les voir. Si vous avez un petit peu de temps, allez voir ces projets et essayez de contribuer parce que Fuchsia est potentiellement extrêmement, extrêmement dangereux pour nous. Merci. All right, then. Next up is... Notre prochain talk est
sur la communauté des femmes dans la cybersécurité à Amsterdam. Salut. Salut à tous. Je suis ici pour vous donner une introduction sur Wicca, la communauté donc des femmes à Amsterdam sur la cybersécurité. Donc c'est une nouvelle communauté InfoSec à Amsterdam. Ce que je vais couvrir dans les prochaines minutes, c'est qui, quoi, comment, où et pourquoi. Donc, il y a vraiment une représentation limitée des femmes dans la communauté InfoSec et dans la tech en général. Mais ce n'est pas l'idée principale derrière ça. Il y a quelques semaines, j'étais dans un événement tech uniquement pour les femmes. Et c'était vraiment quelque chose auquel je ne suis pas habitué, car d'habitude, les conférences de hackers sont principalement des hommes. Et là, j'étais entouré que par des femmes qui faisaient des blagues un peu geeks. Et c'était vraiment sympa, c'était autre chose. C'est vraiment ce qui m'a inspiré à créer un groupe de femmes uniquement à Amsterdam ou à me renseigner. J'ai demandé donc à des amis s'ils connaissaient des groupes de hackers uniquement pour les femmes ou uniquement ou majoritairement pour les femmes, et on m'a répondu qu'il n'y avait rien, qu'il y a eu un groupe, mais qu'il n'était pas actif. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais créer mon groupe, et c'est comme ça que j'ai donné naissance à Wicca. Donc voilà notre page internet. On a commencé avec une amie avec qui voulait créer ça avec moi, ce groupe InfoSec. Donc qui est avec moi? Andrea Stera, qui est consultante en sécurité, et moi, je suis hacker éthique chez KPN. Et voilà, c'est nous. Donc quel est notre objectif? En tant que Wicca, on est un cercle de femmes dans l'InfoSec aux Pays-Bas. C'est un endroit sécurisé pour se rencontrer et apprendre les uns des autres. On discute des exploits, des incidents. On fait beaucoup de choses sur la crypto. On fait des blagues et on aime bien ça. C'est pour tout le monde, on accueille vraiment tout le monde qui a envie d'être en dehors de la majorité. Donc tous les transgenres, les femmes, les non-binaires et voilà, tous les gens qui se sentent exclus. Donc ça, c'est notre rencontre annuelle. Le 31 janvier 2019, on va parler de ML, de machine learning, des challenges dans la détection d'incidents. Et on va parler de... OSINT, donc l'intelligence open source dans le dark web. Donc si vous voulez venir nous voir, c'est le moment pour faire des mauvaises blagues Linux et nous rencontrer. Merci, c'était tout. Donc si vous avez des suggestions ou des questions, vous pouvez me contacter via Twitter, et j'espère que vous vous êtes senti. Merci. Let's move that browser away because I don't want you to see my bookmarks. All right, then next up is OpenID authentication using OpenID Connect. Donc le prochain va être sur OpenID et l'authentification. Sur OpenID Connect. Donc moi, c'est Benny Bots et je voudrais vous faire une petite introduction sur comment s'identifier avec OpenID Connect et vous encourager à essayer vous aussi à le faire. Alors, qu'est-ce que c'est l'authentification web et comment ça marche de nos jours? Alors, comment on fait pour protéger? En fait, on essaye de protéger nos applications en utilisant des proxys, en utilisant
On essaye d'authentifier ces utilisateurs et on a plein d'outils qui permettent de bloquer l'accès aux gens qui ne sont pas connectés. Donc il y a plein de problèmes avec ça, c'est que c'est très couplé à votre application en elle-même. Et en fait, si vous n'avez pas l'infrastructure, ça peut être un petit peu un problème. Si par exemple, il y a si vous avez des risques de privilèges, de gestion de privilèges, ce n'est pas forcément idéal. Donc, je voudrais vous parler de OpenID Connect, qui est un framework d'authentification qui est basé sur la technologie bien connue OAuth2 et utilise JWT. Et donc, ça utilise du coup REST et JSON pour authentifier les utilisateurs. Et en fait, à un moment, on récupère un token qui permet d'identifier quel utilisateur c'est. Donc on peut voir, il y a d'autres spécifications, vous pouvez aller les voir sur l'URL. Donc comment ça marche? Alors ça, c'est un diagramme de très haut niveau qui explique du coup comment ça marche. Donc en général, il y a un outil qui donne l'identité, et donc Identity Provider, et donc il y a une application qui va la récupérer, et il y a un serveur du coup sur lequel il y a l'application. Donc l'utilisateur veut accéder à l'application, l'application voit que tu n'es pas connecté, tu n'es pas authentifié, et donc ça va aller voir le Identity Provider pour demander si il y a quelqu'un, et donc il va récupérer les crédits, il va récupérer l'authentification, et il va récupérer du coup le code d'autorisation. Et donc cette application va pouvoir du coup récupérer et envoyer un token. Donc ça, c'est très facile comme exemple, mais bon, on va voir un petit peu ce que c'est en plus précisément, qu'est-ce que c'est ce token. Donc en général, ces tokens sont envoyés grâce à HTTP et encodés avec une base 64. Et donc, si vous voulez décoder ça, c'est très facile. Il y a des outils en ligne et il y a des librairies aussi qui peuvent le faire. Donc, c'est très facile à décoder. Et donc, à la fin, en fait, c'est juste un espèce de JSON qui, du coup, n'importe quelle application peut le parser et utiliser le contenu et utiliser, du coup, tous les détails dont vous avez besoin pour l'application. Donc, c'est plus ou moins qu'est-ce que c'est ce token. Donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? Donc, c'est bien parce que ça marche sur mobile et c'est super facile à intégrer. Il y a aussi un service User Info pour récupérer plus d'informations sur l'utilisateur, sur l'identité de cet utilisateur. On pouvait faire ça comme ça. On peut aussi aider avec le consentement de l'utilisateur. Donc, nous, quand on utilise des applications web, on doit donner des permissions à une application pour pouvoir utiliser l'information qui a été donnée. Et donc, en fait, avec ça, on peut aider les développeurs qui ont besoin d'utiliser un système d'authentification sans avoir à connaître tous les détails des credentials. Donc, comment l'utiliser? C'est un projet en ligne. Il faut directement aller sur ces trois sites pour trouver un identity provider. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, sur votre application, il va falloir que vous choisissiez quelque chose parce qu'il y a beaucoup de choix. Donc il y en a plein dans plein de libs différentes selon le langage que vous utilisez. Par exemple, PyOdyssey, plein d'autres outils. Il va falloir aussi un proxy, un reverse proxy. Donc il y a quelques outils, donc regardez juste les liens. Donc si vous voulez juste essayer, allez-y, c'est plutôt facile. C'est assez facile à commencer, vraiment. Alors vous pouvez essayer d'utiliser la nôtre. Donc on a utilisé Google comme outil d'authentification, mais bon, c'est juste un exemple. Et donc évidemment, vous pouvez aussi trouver le source code de notre outil. Donc merci d'avoir écouté. Le prochain sera sur les mathématiques et l'éthique. Donc mathématiques plus éthique égale erreur 404. Merci. Alors, moi, c'est Maurice Kyodo. Je suis un chercheur en mathématiques à Cambridge. Et dans mon temps libre, je regarde comment les formules mathématiques devraient marcher. Pardon, l'éthique en mathématiques devrait marcher. Donc, quand on regarde les processus clés derrière les boîtes,
on peut voir que Google décide plus ou moins ce que vous voyez sur Internet. Cambridge Analytica va décider, va influencer comment est-ce qu'on vote. Et Tinder va décider pour vous qui c'est que, avec qui vous êtes dans la vie. Amazon décide ce que vous achetez. Votre banque va décider de vos prêts. La NSA voit tout et Facebook sait tout. Donc en fait, ce qui est intéressant ici, c'est que les mathématiciens ont énormément d'influence sur tout ça, mais ils n'ont pas d'entraînement au sujet de l'éthique. Et donc en fait, ils ne se rendent pas compte de l'impact qu'ils ont sur le monde. Et en fait, moi je vois direct un problème avec ça. Alors comment est-ce que les mathématiciens réagissent quand on leur parle de ça? Alors moi, j'aimerais bien pouvoir vous dire qu'ils sont contents, ils rejoignent les projets, ils ont envie de changer et d'impacter et de trouver des solutions et décider de faire changer les choses sur ça. Mais malheureusement, ce n'est pas ça qui se passe. En fait, la réponse en général, c'est ça. Qui est, ils ne veulent pas entendre, ils ne veulent pas écouter, allez-vous-en, ne me parlez pas, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que vous voyez un problème ici? Eh bien, moi, j'ai vu un problème ici. Donc, en fait, quand on met sa tête dans le sable, voilà quelques exemples de ce qui se passe. Donc, les mathématiciens ne veulent pas vraiment se poser la question de quel est l'impact de mon travail. Moi, je fais juste des maths, c'est tout. Alors, on peut leur demander... Si vous trouvez un algorithme de factorisation rapide, qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que vous allez le publier? Et ils vont dire, bien sûr, évidemment, je vais le publier. Est-ce que vous réalisez des dommages que ça va causer quand vous les publiez sans prévenir? Et sa réponse, c'était incroyable. C'était, moi, c'est mon travail de publier le travail. Et après, du coup, c'est leur faute s'ils l'utilisent. C'est pas vraiment mon problème. Et donc, même si... Si on posait un algorithme comme ça, ça détruirait toute l'industrie de la nourriture. Donc, est-ce que vous voyez un problème? Bah oui. Et du coup, il faut vraiment qu'ils comprennent que leur travail peut avoir beaucoup, beaucoup de dommages sur le monde. Donc voilà, beaucoup de mathématiciens ne sont pas au courant de ça. Donc, dans l'académie, les mathématiciens juste pensent que c'est une perte de temps, ça ne les intéresse pas. Donc, je leur ai demandé, est-ce que ce serait important de leur parler d'éthique aux mathématiciens? Bah, l'académie a répondu, bah, non, personne ne le fait, je ne vois pas pourquoi je le ferais. De toute façon, c'est juste une opinion. Parce qu'on ne peut pas leur parler d'éthique parce que ce n'est pas une formule, ce n'est pas une fonction, c'est... Nous, en maths, on ne fait pas d'opinion. On ne fait que des choses exactes. Alors, je leur dis, bah oui, alors pourquoi pas moi, je pourrais vous aider à enseigner l'éthique en mathématiciens. Et donc, les académiciens ont répondu, votre temps serait bien mieux dépensé à faire de la recherche. Donc, c'est une communauté qui ne veut pas en parler, qui ne veut pas écouter et qui ne veut pas encourager qui que ce soit à en parler. Est-ce que vous voyez le problème? Et si vous voyez un problème comme moi et que vous voulez aider sur ce projet, alors contactez-moi, moi ça m'intéresse. Donc, moi, j'ai fait pas mal de temps que je collabore avec des mathématiciens, parce qu'avec quelques-uns, pas beaucoup, mais il n'y en a pas parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui veulent, mais on écrit des papiers, on essaye d'aider les étudiants, on essaye d'investiguer certains cas, on essaye de donner des présentations. Et voilà, on essaye de faire notre mieux de parler de ce sujet parce que bah, personne d'autre en parle, ça n'existe quasiment pas en dehors de nous. En maths, en sciences, partout. En sciences, dans les ordinateurs, ça en parle parce qu'ils se rendent compte de l'impact. Mais par contre, en maths, ce n'est pas le cas. En maths, ils n'en parlent pas. J'ai besoin d'aide pour faire en sorte que les mathématiciens comprennent l'importance de l'éthique. Ça paraît abstrait pour vous, les mathématiques, ça paraît abstrait pour eux, mais en fait, ça a un impact qui est gigantesque. Alors, s'il vous plaît, si ça vous intéresse... S'il vous plaît, venez nous contacter. On est quelques-uns à Cambridge qui bossent sur ça et on a des projets sur le sujet qu'on développe. Donc, si ça vous intéresse, aidez-nous et parlez-nous. Merci. Next up is sailing to the new paradigm. Le prochain Lightning Talk sera embarqué pour un nouveau paradigme. Ah, il arrive de l'autre côté. Hello, my name is Liam from Astral Ship.
Je viens d'AstroShip et je vais vous parler d'un projet sur lequel j'ai travaillé ces 8 dernières années. Il prend lentement forme. Et fondamentalement, c'est une sorte d'accélérateur pour des projets alternatifs. On essaye de créer un monde alternatif qui, à mon sens, est possible. En 2010, j'ai acheté une chapelle au Pays de Galles pour quelques milliers de livres sterling. Et je suis parti en voilier, correction, j'ai acheté un voilier et je suis allé sur une île pour ressentir un maximum de liberté. Un peu comme les pirates qui sont propriétaires de leur propre île. Historiquement, les pirates sont des personnes assez intéressantes. Je pense qu'ils nous attirent tous beaucoup ici. Ils ont beaucoup innové. Quelqu'un a écrit un livre qui s'appelle « Soyez un pirate » qui circule pas mal dans la communauté. Aujourd'hui, alors que notre monde subit une crise existentielle, ce genre de réflexion de piraterie peut être assez utile. La plupart des marins n'étaient pas propriétaires de leur bateau. Mais si on était un pirate, eh bien, on était propriétaire du bateau sur lequel on arpentait les mers. Et ici, si vous êtes technicien et que vous voulez avoir votre propre entreprise, votre propre maison, votre propre matériel sur lequel vous travaillez, c'est très difficile parce que vous travaillez peut-être en tant que technicien dans une start-up, où vous vivez dans une capitale où les loyers sont très chers. Et donc, vous avez peut-être envie d'autre chose. Voici une ferme abandonnée en Italie. Voilà un palais en Inde que j'ai visité. Il est juste là. Personne ne s'y intéresse vraiment. Et il y a seulement quelques jeunes qui viennent faire des trucs, qui viennent un petit peu, qui viennent bricoler. L'Inde est un pays intéressant parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui font ça. Voilà la chapelle que j'ai achetée au Pays de Galles. C'était donc bien une chapelle. Voilà l'intérieur. Voilà une partie du travail que nous avons accompli. On a envie d'en faire un espace accélérateur de paradigme habitable. Il faut noter que les coûts de fonctionnement sont négligeables. On peut facilement héberger 10 personnes qui auront assez à manger, qui auront assez de place pour vivre. Voilà notre cuisine et des bénévoles qui aident à cuisiner. Voilà la vue d'une des fenêtres. Au 19e siècle, il fallait acheter son propre bateau. Et aujourd'hui, ça aide si on peut s'acheter son propre logement, mais il faut surtout arriver à gagner sa vie soi-même pour acheter ce bâtiment. Voilà ce que je fais. J'aimerais beaucoup avoir votre aide, votre soutien. J'ai laissé quelques brochures pour qu'on puisse entrer en contact. Voici un schéma de notre système de rénovation. Si vous prenez possession d'un bâtiment qui est désaffecté, en général, il faut faire beaucoup de travaux. Et alors, il faut une expertise assez large pour en faire un espace habitable. Mais il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu marginaux et qui sont déçus par le paradigme actuel et qui ont envie de sortir du système. Et grâce à eux, on peut construire un logement. Et j'aimerais bien entrer en contact avec des gens comme ça pour pouvoir construire un bâtiment
accélérateur de paradigme, comme celui que je fais. Voilà, merci pour votre attention. Please leave the clicker here. We need that, thanks. Real pirate. Soyez un pirate. Très bien. Je vais regarder si le dernier, si les gens qui étaient manquants à l'appel se sont présentés. Non ? Tant pis. Dernier exposé qui sera donné en allemand sur les Lightning Talks. Qu'est-ce qui... le titre de la diapositive est Lightning Talks. Qu'est-ce qui peut mal se passer? Allô? Bonjour. Je suis Svolis. Et j'ai une habitude. Je fais des Lightning Talks. Juste pour m'amuser. L'année dernière, nous avons discuté sur les Lightning Talks et on s'est plusieurs fois dit « Oh, ce Lightning Talks aurait pu être très bien si... » Et donc, on s'est dit qu'on allait faire un Lightning Talk sur les Lightning Talks. Alors moi, j'ai commencé il y a 5 ans avec une petite équipe. Svoli fait des Lightning Talks en série. Et à l'époque, une petite référence, une introduction au Lightning Talks aurait été très bien pour les débutants, parce que il y a beaucoup de choses à apprendre et je veux parler de mon expérience et la partager avec ceux qui aimeraient faire un Lightning Talk. En général, on organise un petit conseil ici. On a entre 60 et 70 exposants au CCC dans les Lightning Talks. C'est pour ça qu'il faut quand même un petit peu réfléchir au déroulement des Lightning Talks pour que tout ça soit efficace. Ce n'est pas seulement important pour l'organisation, mais aussi pour les exposants, pour les orateurs. À un moment, on faisait ça avec un wiki, ça marchait assez bien. Et puis après, il y a eu les pre-talks et puis le frap. Il est aussi important d'expliquer les règles assez clairement pour ne pas devoir répondre à des emails qui posent des questions auxquelles on a déjà répondu. Il faut aussi bien subdiviser le travail, ce qui est assez difficile à faire. Voilà en ce qui concerne l'organisation. Moi, je vais raconter mon expérience d'orateur. Il y a toujours une question à résoudre, c'est qui parle. En général, il faut choisir celui qui va s'amuser quand il va parler devant les gens. C'est mon cas. Si votre anglais n'est pas parfait, faites-le en allemand. C'est important de faire son exposé en allemand parce qu'on peut se reposer sur une équipe d'interprètes très compétente. Et s'il y a un petit problème, si par exemple vous n'arrivez pas à écrire votre diapo en anglais, eh bien demandez à quelqu'un. Le dernier diapo est souvent utile pour mettre des informations de contact, ou votre adresse, Twitter, GitHub, vos réseaux sociaux, votre email, éventuellement un QR code. Il est crucial de s'exercer à voix haute et avec un chronomètre. Il ne faut pas voir le chronomètre. S'il y a beaucoup d'informations, il faut vraiment essayer de se focaliser sur les informations les plus importantes. Et quand vous vous entraînez avec le chronomètre, commencez lentement. J'ai commencé la guitare à 39 ans. Et mon prof de guitare me disait toujours, exerce-toi lentement et avec l'exercice, ça va venir. C'est exactement pareil avec les Lightning Talks.
Bekannte mache, so vielleicht über Weihnachten, dann wenn ich richtig gut drauf bin. En général, j'ai tendance à faire les choses en dernière minute, mais Lightning Talks, je les commence autour de Noël, comme ça, je sais vraiment que j'ai la pression. En général, je prépare les derniers détails à l'hôtel, et puis comme ça, ici, je suis vraiment à l'aise. Pour venir, je suis vraiment prêt. On peut aussi jeter un œil aux Lightning Talks de l'année précédente. Comme ça, on voit ce qu'on aime. Et peut-être qu'on peut imiter les détails qui nous ont plu dans les Lightning Talks des autres. Ça vaut vraiment la peine. Et ça rend votre Lightning Talks immédiatement meilleur. Man braucht möglichst robuste universelle Dateiformate. L'orga demande des formats de PowerPoint bien universels, avec les fontes dans le PDF par exemple, ça rend la vie facile à tout le monde. Il faut surtout bien faire attention à la résolution quand on exporte le fichier, surtout sur Keynote. Parfois, on a aussi des petites notes, ou alors on voit le slide prochain sur l'écran, mais et souvent ça bug. Mais alors pour ça, il y a une très bonne solution, les bonnes vieilles notes sur papier. Exercez-vous, c'est crucial. Et si on vous demande pourquoi tu parles tout seul, eh bien répondez que vous exercez pour un Lightning Talk, et si les gens ne s'en vont pas, ça veut dire que vous avez un auditeur gratuitement tombé du ciel. Voilà, j'ai fini. Je vous remercie pour votre attention et je souhaite bonne chance à ceux qui vont se lancer dans l'aventure. Je trouve que les Lightning Talks, c'est vraiment quelque chose de super. Cette année, j'ai encore vu des exposés qui étaient absolument géniaux. Merci à tous d'être venus, merci à tous les orateurs, merci au public. Applaudissements pour tous les orateurs, s'il vous plaît. Et bien sûr, nous remercions notre merveilleuse équipe de traduction, surtout que les Lightning Talks sont difficiles à traduire. Donc, une tournée d'applaudissements pour eux aussi.